Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Papub, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur For Honor. On va attaquer le dernier chapitre, puisqu'on a fini la dernière fois le chapitre sur les vikings. On va les jouer maintenant avec les samouraïs. Et on va commencer avec la première mission pour les samouraïs, devoir. C'est parti. Les samouraïs manquent d'effectifs. Chacun de nos guerriers doit valoir 10 de nos ennemis. Chaque Orochi en vaut une centaine au bas-mot. Agile, fort, maître incontesté du katana. Leurs armures allient à merveille souplesse et résistance. Ce sont des guerriers comme le monde n'en a jamais connu. Voilà, on va donc jouer avec les samouraïs pour cette troisième partie. De jeu, on va pouvoir choisir l'aspect de notre samouraï. Je prends celui du milieu là cette fois, avec les trois pics sur le dessus là. Ah, celui-là il est pas mal aussi. Non, je vais prendre celui avec les pics. Alors, je garde mon second souffle niveau 2 et mon imbloquable niveau 1. On est prêt, on continue. C'est parti pour devoir la première mission. Pour les samouraïs. Ça fait 15 jours à peu près que j'ai pas pu jouer. Donc j'espère ne pas avoir trop perdu en 15 jours sur le jeu. J'avais enregistré les chevaliers et les vikings en avance. Et là, malheureusement après j'ai été pris un petit peu pris par le temps. Alors c'est pas grave, du coup on va quand même avancer. Et faire ce dernier chapitre. Avec, je suppose, 6 missions également. Notre foyer, nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le sens de ce mot a bien changé. Nous avons fondé un autre foyer, mais il nous oblige à nous battre. Je ne risquais pas d'affronter quiconque depuis l'intérieur d'un cachot. Mais mes amis, Mademio, ont su saisir une opportunité. Ils incendient la ville. Nous partons. J'ai dit nous partons. En route. C'est interdit. C'est ce genre d'attitude qui t'a valu de finir là. Nous devions traverser au plus vite. Le feu ferait l'affaire. Ok, c'est parti. On joue donc avec les samouraïs. Alors, les flèches incendiaires. Infligent des dégâts répétés, tirés sur des conteneurs pour les faire exploser et infliger des dégâts. Ok. Nous allons faire sauter ce portail. Ok, allez, c'est bon, ça passe. On a trouvé un des éléments, on va pouvoir recharger en flèche. Face à un ennemi si nombreux, le feu était notre allié.
Hop, voilà, plusieurs. On tue plusieurs d'un coup comme ça. Voyons si je retrouve mes marques. Pour eux, on continue d'avancer. J'ai un point par là. Ok. Il va m'en rester un. Alors, eux, c'est bon, on va pouvoir avancer vers les suivants. Ils sont trop nombreux. Mais non, ça passe. Ok, alors on en a passé deux là sur les trois qu'on avait à faire, je crois. Il nous reste un point là-bas. Allez, j'en charge à vie et c'est reparti. J'ai plus de flèches. Ah, j'ai moyen d'avoir des flèches là-haut pour pouvoir en tuer certains d'un coup. Où est Ozen? Il devrait défendre le pont. Allez. Il était temps d'aller retrouver Okuma et Momiji.
Trouvons Momiji. Alors, déclencher un piège toxique qui inflige des dégâts à tous les ennemis dans son rayon. J'avais déjà pris part à des défenses plus inhabituelles. Je n'en reviens pas qu'on en soit là. Ok, hop là-bas. Les vagues qui pourraient arriver. Voyons si ça marche. Hop, voilà, c'est ça que je cherchais. On recommence encore. Si tu le dis, Momiji. C'est absurde, le feu c'est quand même mieux. Ah, je vais placer les deux suivants. Okay.
Allez, on atteint le checkpoint, on avance. Il va falloir maintenant repousser les Vikings. Le poison et l'acier faisaient merveille. Encore fallait-il les repousser. Guettez les traînards sur les flancs. Allez, on les fait reculer. Il ne nous restait plus qu'à fermer les portails. Au palais ! Ah, la garde d'obsidienne. La légion d'obsidienne, pardon. Que faisaient les obsidiens dans notre ville ? Mince, raté. Ah non, j'ai réussi à passer. Ok. Des chevaliers de la Légion d'Obsidienne. Où est Ayo? Les Vikings ont pénétré dans notre cité. Ils ignoraient qui ils servaient. Ah, oh, les derniers. Demio, votre empereur est mort. Prendrez-vous sa place ? Jamais. Veux-tu être empereur? Quand j'aurai tué mes trois rivaux, tu seras la suivante. Un loup? Laissez le palais à ses jurons. Les autres n'ont qu'à se battre pour les restes. Pour qui te prends-tu? La guerre. Je suis la guerre. Allez, on a terminé cette première mission pour les samouraïs. On a gagné les égratignures de niveau 2. Ok.
J'avais laissé 5 Daimyo se disputer le contrôle du peuple pour mettre à l'épreuve leur unité. À ces Jurō, j'avais offert le palais. Aux 4 autres, une place dans les marécages. Ayu, la Daimyo, fut la première à agir. Bien, bah écoutez, j'espère que ce premier épisode sur For Honor avec les samouraïs vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.